réchauffe? Désolé. Si je suis pétrifié, pourvu que ce soit dans une position digne. Et Harry, tu veux échanger quelque chose? Désolé. Voici la salle de classe des enchantements du professeur Flitwick. Allons, Mora ! Je suis dans la salle de métamorphose. Allô, Mora. Je me demande bien ce qu'on va manger ce soir. Fais attention où tu mets les pieds. Gryffindor. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? J'ai reçu un hibou de mes parents. Ils sont très inquiets de ce qui se passe ici. Fais attention où tu mets les pieds! Le véritable héritier de Serpentard est peut-être une héritière, qui sait? J'espère que Dumbledore finira par arrêter l'héritier! Est-elle fermée? Oh, peu importe. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Voici la salle de classe de défense contre les forces du mal. Celui qui a pétrifié Miss Teigne nous a rendu un grand service. Désolée, j'ai pas le temps de te parler. Heureusement que Miss Teigne a été pétrifiée et pas cuisinée. Thank you.
as besoin de quelque chose? On achète en gros, comme ça on peut te faire faire des économies. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? On a les meilleurs prix de tout Poudlard. Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai un Nimbus 2001, le meilleur modèle disponible pour le grand public. Tu prends la bonne décision, Harry. Désolé, mais je n'ai plus rien en stock pour le moment. Reviens me voir plus tard. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? On a les meilleurs prix de tout Poudlard. Je ne peux pas sortir par là. Il paraît qu'il faut porter de l'ail pour se protéger de l'héritier. Mais quand j'en ai sur moi, personne ne veut m'approcher. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant quelle maison est en tête cette semaine. Gryffondor est en tête. Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Thank you.
examiner la scène du crime. D'habitude, Ruzard surveille le couloir où son chat a été pétrifié, mais il est parti. C'est le moment ou jamais. Vous croyez vraiment qu'il existe une chambre des secrets? Moi, je crois à l'histoire de Flitwick, même si c'est une légende. Après tout, Dumbledore n'a pas pu guérir Mistaigne. Elle n'a donc pas pu être attaquée par un humain. Nous sommes sur le lieu du crime. Vu que Ruzard n'est pas là, et que nous aussi, on ne risque rien à jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez de cette flaque d'eau sur le sol? Ça venait d'où, à votre avis? De là-dedans. Allons jeter un coup d'œil. On ne peut pas entrer? Ce sont les toilettes des filles. Mais personne n'y va jamais, Ron. C'est là qu'habite Mimi Géniarde. Elle hante les toilettes des filles. Elles ont été fermées toute l'année car elle a sans cesse des crises de larmes. J'aimerais que les gens arrêtent de dire des choses dans mon dos. Mais qui peut donc être l'héritier de Serpentard? Qui veut effrayer les enfants de non-magiciens pour les faire quitter Poudlard? Drago Malfoy. Tu l'as entendu traiter Hermione de sang de bourbe. Mais comment prouver que c'est lui? Il faudrait qu'on pénètre dans la salle commune des Serpentards et qu'on questionne Malfoy sans qu'il me reconnaisse. Mais c'est impossible! Tout ce qu'il nous faut pour cela, c'est du polynectar, une potion qui permet de prendre l'apparence d'autrui. Nous pourrions métamorphoser Harry en Serpentard, comme ça personne ne se méfierait de lui. Deux des ingrédients vont être difficiles à récupérer. La poudre de corne de bicorne et la peau de serpent d'arbre du Cap. Harry, il faudrait que tu ailles récupérer ces deux ingrédients pour que je puisse finir la potion. Et où est-ce que je pourrais en trouver? Ron garde la corne de bicorne dans son armoire. Mais pour arriver là-bas, il va falloir que tu traverses le couloir du cachot qui est couvert d'ectoplasme. Il devrait y avoir de la peau de serpent d'arbre du Cap près des serres de botanique. C'est la saison des mûres. Oh, super! Les couloirs sont tout gluants. Je sens que je vais adorer.
Patronus. Thank you.
Flipendo!